la France. Sorti de la phase de poule, et c'est tout naturellement avec beaucoup d'ambition que ce groupe aborde les huitièmes de finale. Des joueurs qui nous confient en conférence de presse le plaisir d'être portés par tout un pays. Ils ont envie de surfer sur cette vague populaire pour tenter d'aller chercher le trophée de champion d'Europe. Ça commence. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Voici le moment de l'hymne national polonais. Pour cette rencontre, dites-moi Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Peut-être Robert Lewandowski. Il adore le jeu direct, c'est le moins qu'on puisse dire, et en particulier les ballons dans le dos des défenseurs. Et il va être sanctionné. S'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. Il frappe directement. Le bon jaillissement. Raphaël Varane. Joué à droite, il faut aller vite. Cette attaque n'a pas pu se développer. Devant, c'est un but qui vaut cher. Eh bien, on peut dire qu'ils ont réellement lancé leur campagne. La France qui peut avancer. Allez. Pogba, quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Mbappé, il joue dans l'espace. Frappe sur le poteau.
passe à passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Pour trouver la faille dans la défense. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. C'est joué long, attention. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. On nous annonçait la pluie, la voici. Griezmann. Mbappé. Voici Giroud. Il tente de la jouer dans l'espace. Il reçoit le ballon. Il faut tirer là. Chichou. Super arrêt. Le gardien est là. La classe. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'était un bon pressing. Oh, le contre, l'arme fatale. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, c'est dangereux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il joue dans l'espace. Oui, oui, il était hors jeu. Ah, effectivement, mais de peu. Loin devant Lewandowski. Et ce ballon vers ses attaquants. Bien joué, il faut pouvoir repartir. Un long ballon vers l'avant. Voici Giroud. Voici Matuidi. Giroud. Il est passé. Il peut frapper là. Égalisation pour la France. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne, il est allé tout seul et c'est parfait. Giroud qui a marqué son quatrième but dans la compétition. Le jeu reprend sur un score de pas. C'est la mi-temps dans ce match intéressant, espérons que la seconde période sera tout aussi belle. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. L'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause et elle a eu le mérite d'égaliser. C'est bien joué. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score un partout. On est reparti. Espérons qu'il fasse la différence dans cette seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne comptent pas. Sont marqués, quel régal! Ces deux-là se comprennent à la perfection et une de parfaitement exécutée. Cette compétition lui réussit bien, elle en est à 5 désormais. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout et pourtant ils vont devoir tenir. Le long dégagement du gardien. Quelle fait du bien cette interception. Bien servi. Le gardien loin devant. Bonne intervention. Voici Giroud. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a champ libre. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Rosicky. Oh, Lewandowski. Raphaël Varane, qui résiste à la charge. Oh, le bon ballon. C'est joué long, attention. Passe en profondeur. Ah, dommage. La Pologne qui cherche l'ouverture. Ce ballon bien dosé. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. C'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur fait beaucoup de mal. La Pologne qui tente
tente de belles choses là. Il n'a plus vraiment le temps de se montrer prudent, non? Non, c'est bien vrai. Et oui, il faut couffrant. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. But, il est inoffensif, c'était bien défendu ça. C'est osé. Giroud qui pourrait peut-être s'offrir un triplé aujourd'hui. Quel timing dans l'interception. Ça va soulager un peu. Pour trouver la faille dans la défense. Il y a peut-être un coup à jouer. Il va frapper. C'est une occasion. Le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Il est fini, crevé, carreau comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire. Ça. Bien, c'est reparti, il y a maintenant deux buts d'écart. Le bon dribble. Bien tenté. Mbappé à côté. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. Titi qui est récompensé de son pressing. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a danger. La tentative. Comment a-t-il pu manquer ça? Au moins, il joue le bateau, mais va-t-il réussir à marquer? Vas-y, Giroud. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Mbappé. C'était bien joué. Dommage. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille. C'est joué long, attention. Le drapeau s'est levé en jeu. Le long dégagement du gardien. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça pourrait être dangereux. Le bon dribble. C'est une occasion. Rien à dire, c'était propre. C'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils sont qualifiés, les voici désormais en quart de finale. Ils ont toujours le droit de rêver. C'est magnifique. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Moi, je pense que dans une coupe, ce qui compte, c'est pas tellement la manière, mais plutôt le résultat. Et là, ils ont tout bon. C'est toujours un bonheur.